Là. Allez. Elbow drop. La coiffe du visiteur inconnu, mais on a trop de luck. Ils sont aléatoires, les loot. Pouah, le casque futuriste. Le casque du visiteur inconnu, le casque alien. Plus 6% de dégâts par niveau de combo. Oh, ça c'est beau ça. On peut aller jusqu'à 18%, c'est pas dégueulasse. Ah, Cyber Vault, j'avoue. Parce que je veux pas dire, mais l'armure. L'armure du visiteur inconnu. Ils sont pas aléatoires, t'as même une carte sur internet, c'est ouf. C'est trop bien. Défi mythique, petite lire, on vient de le faire. Là, il y a des tas de choses à faire encore. On pourrait s'y plonger. Il y a une fresque, il y a des choses comme ça. En vrai, on va peut-être y aller, ouais. Alors, ce monde deviendra tellement plus grand. Ah, le spectre d'Atalante vous traque. Qu'elle y vienne. Bonjour. Ouh. Ah oui, c'est vrai qu'elle a son ours. Je mets l'amende à tout le monde. Et en plus, je viens de Book Atalante. Et ça, je veux pas dire. Mais dans World of Warcraft, tu vois, il y a des chasseurs. Atalante, elle est de race chasseur, si tu veux. C'est elle qui a créé la classe, en fait. Là, je veux pas parler mal, mais elle a pris la brouk max. Vamos a penetrar. Phoenix arpenta les archives.
foulant des statues en miettes de héros déchus. Parce que rien ne vaut une bonne balade dans un temple bien inquiétant et tout en ruine. Phénix est un héros, Zeus. Ah, c'est comme ça qu'on appelle les humains qui meurent, je te signale. Eh oh ! Y a quelqu'un ? Montre-toi et viens te battre ! Cette Lorica, quand même. J'ai pas envie de me montrer. Je viens de le faire. Oh, pourquoi je t'ai écouté ? Athéna ? Je ne suis pas une enfant. Je suis Athéna. Athéna. Oh, oh ! La déesse de la sagesse, la prophétie. Une enfant persuadée. Mais oui, tout devient clair maintenant. Oh là là, tu n'imagines pas à quel point j'avais hâte de te rencontrer. Mais pourquoi tu es si petite et si méchante? Tu le serais aussi si Typhon t'avait fait rétrécir et avait lancé une hydre à tes trousses. En entendant tes pas, j'ai cru que c'était ce monstre à face de serpent. Eh bien, je ne suis pas une hydre, mais un grand admirateur. Et j'ai tellement de questions à te poser. Tu as vraiment battu Arès lors de la guerre de Troie? Pardon? Ah oui, deux fois. Incroyable. Et tu as vraiment été juge au procès écoute, de... Désolé. Tu t'appelles comment? Phénix. Quand je pense que je suis devant la vraie Athéna, même si c'est une petite... Enfin, une petite déesse. Tu allais me traiter de petite fille, là? Eh bien, oui. Franchise. Ça t'aurait coûté très cher. Honesty. J'ai compris. D'accord, je veux bien te croire, tu n'es pas une hydre. Mais ça veut donc dire qu'une hydre féroce est toujours à mes trousses. Où Typhon a-t-il caché ton essence? Si tu redevenais toi-même, cette hydre n'aurait aucune chance. Et on aurait fait un pas de plus vers la dépétrification de tout le monde. Ah mais voilà, c'est la première étape. Et s'avance le champion au cœur brave. Et à la tenue discutable. Mais nique-toi! Attends, quoi? J'attendais ta venue. Seul un champion mortel peut emprunter le chemin des héros pour libérer le bâton du temps de Chronos. Le bâton du temps? Oui, il renferme le pouvoir du dieu du temps. Il nous permettra de vaincre Typhon et d'inverser le cours des ans pour annuler la pétrification. Sans ce bâton, nous sommes perdus. C'est toi, Imoen. Oh, wow. C'est bon de te revoir. Chronos l'a perdu dans le fleuve du temps. Il n'apparaîtra qu'au champion qui suivra le chemin. La prochaine étape est de tuer l'hydre. Pour ça, je peux t'aider. J'ai déjà fait plus étrange sur cette île. Tant mieux. Alors, c'est réglé. Sois mon champion et va tuer cette effrayante hydre. Ma foi, les choses vont vite. Il y a une minute, tu as essayé de m'écraser avec une statue. Oui, mais c'est ainsi que va le destin, champion. La première de tes tâches est de tuer l'hydre. À plus tard. Sacrée tâche. Aurais-tu un conseil plein de sagesse à me... Hein? Athéna a eu le nez creux en pensant au bâton de Chronos. Il n'y a pas grand-chose qui lui échappe, celle-là. J'ignorais que tu connaissais son existence. Ah ben je veux, mon neveu. De toute façon, les bâtons, le bricolage, c'est mon truc. J'ai appris ça, oui. Cute! Il faut que tu suives le chemin. C'est le destin, tout ça. Fine, fine. I'm going, I'm going. Bon, après, elle a 58 ans, la doubleuse, là. Ouais, mais... Elle est pétrifiée, cette hydre, elle vaut rien. Ou de l'ambroisie. Aïe. Yes. Pierre magique.
Poder. Poder. Ok. Hey ya. Phoenix, il est redoutable tête de pierre de l'hydre. Des visages aux dents puissantes surgit d'un cauchemar. On voit que t'as pas vu Hera sans maquillage. Ouf. El poder del mal parler. Ça, je suis sûr, c'est un boss. Vive l'Olympe ! La Gorgone. Phénix approcha de l'énigme de l'hydre de Lerne. Une bestiole qui a prouvé à quel point Héraclès était stupide. Il a tranché les têtes avec l'épée magique d'Athéna, mais elles ont repoussé, jusqu'à ce qu'il y en ait deux fois plus. Oui, enfin, jusqu'à ce que Iolaos, son allié, se serve d'une torche pour empêcher les têtes de repousser. C'était un mortel, tu sais. Chad. Hey. Vive Lola.
digne des grands héros. Ah, et n'exagérez pas, Athéna. Une vraie cochonnerie à tête de serpent. Cool. Ah, il y a un coffre à items. Where? Ah! Hey! Ah! Un casque d'Athéna! Plus 1% avec la charge d'Athéna. Stylé! Et du coup, j'ai tout eu là? Ouais, il reste que la foudre. Impeccable. Le trésor, c'était les amis sur la route. Je suis Allman, c'est vrai. C'est Zulman. Ah ah. Ah ah. Oh! Là! Pour connaître la perfection, tu vas souffrir, mais cela en vaudra la peine!
Ah, et enfin voilà la Gorgone. Très bien. Ok, on va reprendre le piaf. Plus deux coups avec l'attaque de phosphore, c'est craqué ça. Ah, il a vraiment le regard de la méduse, d'accord. Ça débloque. Phosphore au regard maléfique. Oh! Pur stylé. Qu'est-ce qu'il fait? Explosion de clones et immobilisation d'ennemis pendant 10 secondes en tas d'acrinte. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, il s'est nul à chier, mais. Le Pégase ne me permet pas de voler, non, malheureusement. Oh là là, cette énigme de la constellation d'Athènes. Ah. Tous ces strums. Merde. Ok. Vive Lola! There we go. Hop. Shoo. Un peu loin, mais good enough. Oh, l'Argo. Lola. Légendaire. Bouh. Son nom de celui qui l'a construit. Ah. Argus. C'est Athéna qui a inspiré sa ligne magnifique. Sa sagesse avec les mortels. Tu trouves pas, toi? Vive Lolop! Ok. Oh, ce tir! Lâche.
Pas mal. Tu sais que tu peux déplacer les objets en profondeur avec ta prise chat et pas. Ok, ouais. Yaha! Tu m'as trouvé! Vive Lola! Ça, c'est la constellation de quoi? Du bateau, ok. Fair enough. Yes! 10, ça paye! Et donc, ça, c'est l'Argus. C'est le fameux bateau d'Ulysse. Eh ben. C'est où? C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Voilà. Ouh, enfin. Book.
Oh, l'armure de bronze du visiteur inconnu, mais ça nous met la max. Ce jeu nous met la max. Ce jeu ne se refuse rien. Immortelle, la mortadelle. Vous avez aimé? Maqué, parqué. C'est fermé. J'ai un boss qui m'attend là ou une bite du genre. Ouais, sans doute. Hein. Bon, là, il y a une fresque et une énigme. Ça a l'air stylé. Allons-y. There we go. Ah! Oui. Stylé cette tapisserie. Elle déchire un peu des chattes, il faut le dire. Schmop, schmop. Je récupère tout. Bon, take it, chienne de vie!
Yeah. Que mon cœur, comme celui de tout homme, pouvait se briser. Je n'étais qu'un supérieur. Je savais désormais que je n'étais guère plus que mes défauts, une boue d'arrogance et d'ambition. Si j'avais su comment faire, je les aurais arrachés avec une lame. Je détruis mes ailes. Je les ai offertes à Apollon en sacrifice. Mais aucun sacrifice ne pouvait racheter mes fautes. Ah bah d'accord. Aide. Du feu, là. Voilà. Et enfin... Attention, le niveau de marouflerie que vous apprêtez à voir est fait par un professionnel. Marouflé ! Connaissait la muse Calliope, qui apporte l'inspiration aux mortels comme la brise porte les feuilles. Dommage qu'elle t'en ait pas gardé un peu. Je connaissais tous leurs noms à l'époque. Calliope, Terpsichore, Tétis, non. Tant pis. Clio, ouais, il y a Clio, ça c'est sûr. Après, je me souviens plus du tout lesquels... Lesquels apprend quoi? Enfin, lesquels gèrent quoi? Voilà. Je peux pas me téléporter à son temple? Pas une tarabiscouille comme ça? Ouh.
Oula, tarabiscouille. C'est le jeu de la tarabiscouille. Je veux pas me la péter, gamine, mais je veux me la péter. Eh bien, ça n'a pas été facile, mais cette hydre ne nous embêtera plus. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, l'apprenti champion est censé aider le paria ailé. Le paria ailé? Oh, l'oiseau que j'ai sauvé! Mais je l'ai déjà fait. Oh, c'est formidable tout ça. Waouh! Gros enthousiasme pour avoir sauvé un oiseau. Bizarre ça. T'es bizarre, non? Mais bon, un champion bizarre reste un champion. Oui, enfin, je n'ai pas fait que sauver l'oiseau. Tu as réussi! Tu as tué l'hydre et aidé la bestiale avec les ailes. Bon, maintenant... Ah oui, la prochaine étape, c'est de devenir comme les grands héros. Et de recevoir une bénédiction. Tu m'inquiètes. Poder! Et donc? Merci, Athéna. Pas mal, non? Tu vas devenir un héros comme Atalante, Achille, Ulysse et Héraclès. Et ainsi, le bâton sera à toi. D'accord. Et maintenant? C'est quoi déjà? Ah oui, voilà! Étudie le parcours des héros et marche sur leurs traces. Parfait. Ensuite? Quoi ensuite? Un feu sans vent ne brûle pour personne. Oh, quelle sagesse! Tu veux dire que je dois me concentrer sur... Va faire quelque chose! Apprends les leçons des héros. Fine. Le bon, la brute et la toute petite. Accomplis des actes héroïques! C'est terriblement spécifique, dites-moi. Oh, Ubisoft Twice. Ces titres. Juste l'exploration. Ok, le rose à ma gauche. There we go. Yeah. Stars and stripes! Stars and stripes! Hyper stars and stripes! Très bon. Boop. Okay. Stars and stripes! Ah merde. Stars and stripes! Voilà, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les attaques de Captain America. Imbloquable. Oh là, je bouge plus. Thank you.
Poder. Il y avait un deuxième de... Ah ah! Comment accéder là facilement? Depuis la statue de la sagesse. C'est sur la route. Ok, Gamer Buster. Et pour avoir habilement traqué le sanglier de Calydon. On a dû la prévenir contre le mariage. Je connais, je la comprends. Voilà qui fera plaisir à tes épouses. Opiniâtre à talent. Première à frapper et première à agir. Atalante fut la première à transpercer la peau du sanglier de Calydon. Son histoire est un bel exemple de persévérance. Rends-toi compte, elle avait été abandonnée dans les bois et éduquée par des sources. Tout ça parce que c'était une fille. Les dieux, et moi le premier, ne feraient jamais une chose pareille. Tu peux demander à Athéna. Je le ferai si je réussis à placer un mot. Il y a plein de pommes là. Au fond de toi, tu sais que j'ai raison, que je suis nécessaire, que je suis parfait. Oh. Yeah.
Eh ben putain. Ah. Délibération. Ah, j'ai mis des gifles. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, délibération? 30% pour mes dégâts, dégâts triplés pour un tir à la tête. Bof. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la bénédiction d'Athéna? Bonne question. Alors. Reconstruction de tous les fragments de santé en cas d'épuisement de la santé au combat. Ok, ça c'est bien. Être touché une fois ne réinitialise pas. Dégâts de premier coup subis après ingestion d'une potion sont ignorés. Cool. Doublement de la vitesse de reconstitution des flèches, c'est sympa. Possibilité de charger encore plus les tirs de l'arc pour mettre des gifles. Traction jusqu'à 3 ennemis par coup. D'accord. Donc elle gère l'arc, si tu veux. Et Phaistos doit gérer le marteau et... qu'on s'appelle. Logiquement. Hein. Logiquement. Ce qu'on veut atteindre, c'est ça, là. Du merdier ici. Bien joué. Ça me fait des points. Et il m'en faut des cristaux, hein, si je veux développer mes compétences. Trop court. Oui, c'est vrai. There we go. Je m'en sors pas si mal, hein. Poder. Très bien, ça. Tâche active, voilà, c'est ça. Ah, il me faut encore un coffre nocturne. Où est-ce que je peux trouver un dernier coffre nocturne qui traîne? Je suis sûr qu'il y en avait un. Allez, il y a bien un coffre nocturne qui traîne, là. Qu'est-ce que c'est, cette planète de merde? Putain, y'en a pas. Quel enfer! Quel enfer!
Ça dit qu'il y a un... Ah merde, c'est pas là. Quel enfer. On dirait qu'il me manque quelque chose. Je reviendrai plus tard. Ok. C'est juste en dessous de ma position là. Ah ah. Les aventures de Marouf le Man. Boop. Oh oui, enfin. Iron Man, quoi. Oui! Je dis oui! Mais oui. Le monde tremble. Tu as besoin de moi. Poder. Qu'est-ce que j'ai marqué avec mon symbole là ? Pourquoi j'ai marqué ça là ? Ok, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait.
Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. On va bientôt s'arrêter là, ouais, bientôt 3h du mat. On va s'arrêter. Demain, j'ai rendez-vous à midi. Ok. Go! Hercule, on appelle invincible Hercule. À la force terrible, sonne les trompettes, battent les tambours. Combien de poètes chantent la bravoure de l'invincible? Ce guerrier divin. Eh ben, ça promet ici, hein. Plein de micro-énigmes à la con, plein de stupres, plein de guac. Personnellement, Joseph Joestar. L'escalade. T'as fini Hyrule Warriors? Oui, depuis longtemps. Mais si tu parles de Hyrule Warriors 2, je l'ai toujours pas lancé. L'âge du fléau. Parce que j'attends le DLC. Je suis même pas spoilé. Hein. Littéralement, le edging de la queue la plus longue possible. Pondel. Move. Perfect. KO. Des cristals rouges là-bas. Pendant je sais qu'il y a ma quête au-dessus, de mais... La fureur d'Achille ravagea les forces troyennes jusqu'à ce que son talon entraîne sa chute. Ah, pour un mortel, il savait y faire. Hein. Sans pitié, le gars. Mais il savait être tendre aussi. On sentait qu'on pouvait lui ouvrir son cœur. Bon, ce n'était pas un dieu, mais il y avait du niveau. Non, le bonhomme était fortiche. Hein. D'accord. Ce Zeus full gay. Oh, plastron du foudroyant en rouge, mais ils ne font que nous saucer avec des super costumes. Oh là 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 là!
dit qui c'est ça. Entre de spectre. Je peux y aller ou pas? Il y a quoi là? Rien, d'accord. Oh. Confiant Achille, le fleuve Styx te protégeait de tous tes ennemis, mais hélas, pas entièrement. Bouc. Book. Perfect. KO. Hop là. Oh. Durant la guerre, Achille eut une dispute avec le roi Agamemnon. Ah mais ça, je m'en souviens. Même qu'il a arrêté de se battre pour les Grecs. Ce qui eut des conséquences désastreuses. Ainsi, il ne faut pas négliger le libre arbitre des mortels. Ah. Un coffre bonus. Bon, vous en voulez encore ? Vous en voulez encore ? Son orgueil avait condamné Achille, et bien avant que cette flèche ne lui transperce le talon, Prométhée. Mais on se souvient de son courage et de sa résolution. Easy. Donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. Yeah. Oh, Hercule! Hercule, on appelle invincible. Hercule, quand le soleil possible, il se libère. Enfant du tonnerre, il descend sur terre.
comme un éclair, Hercule, qu'on appelle invincible, Hercule, à la force terrible, sonne les trompettes, battent les tambours, combien de poètes chantent la bravo de l'invincible Hercule. Se retrouva à admirer la statue d'Achille. Il y a de quoi, non? Regarde-le. Salut, Achille. Tu as dû en apprendre des choses pendant tes aventures, non? Ou alors, tu n'as jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit. Peut-être que les gens comme toi et mon frère devinent toujours tout. Quelle importance si c'est dur après tout. Tu n'étais pas parfait. Et quand on voit ce que tu as accompli, et j'ai Athéna pour me guider. Merci, mon grand. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Et pense à protéger Stallone, d'accord? En vrai, il aurait pu mettre des chaussures. Il aurait survécu, ce con. Bon, peut-être qu'Achille, c'était un petit peu un nullos. Mais... Bordel de chatte! Là! Pas si dur! Donne-moi! Oh! Qu'est-ce? Nouveau visuel, l'oiseau de proie. Bon, très bien. Coffre. Bah ! Oh putain, je l'ai payé celui-là. C'est bon, le plus dangereux est mort. Merde.
Hey! Infestation dégueulasse. Hop. Le lieutenant Steno. C'est une gorgone. Il ne vaut donc rien. Les ailes de la vanité. Classe. Ça rentre ? Ça rentre. J'ai pas de potion. Allez. On va humilier Altalante. Pour ça, on va mettre les vrais équipements. Oula. Hey, Jokerini. Eh, ça marche pas, bien sûr. Mais il y a de choses ici, rien du tout.
Elle pue un peu le charisme, Atalante, hein. Let's go! Chier. Oh là là, ce swag. Ok, enfin, à nous deux, madame. Ah, bien joué, ça. Ah. Ah, je l'ai paré, mais ça n'a pas servi. Poder! Atalante aux pieds légers ne parvint pas à échapper à l'arme de Phoenix. Mais son esprit était libre désormais. Phew! Au moins... Ah! Atalante ne me cassera plus les couilles. Bien. Vive Lola! Est-ce la humiliation? La humiliation! Alors, que se passe-t-il ici? Oh, un bateau! Ulysse? Avisé, Ulysse. Tu as berné une nation, courroucé le dieu de la mer
et conquis à nouveau le cœur de ton amour. J'avoue, ça flex. Ok. Alors que les Grecs avaient perdu tout espoir de remporter la guerre de Troie, la sagesse d'Athéna inspire. Yay! J'ai une bateau! Qu'est-ce que j'en fais? C'est pour ça la feuille qui rend invincible dans Isaac? Non, c'est pas ça. C'est adorable que tu penses que ce soit ça, mais c'est pas ça. Enfin, je dis ah, mais en vrai, j'en sais rien. Je suis censé l'amener où, le bateau ? Là-bas, très bien. Ok. I'm okay. Je dois dire que c'est fortiche la technique d'Ulysse pour dire au Cyclope que son nom, c'est personne. Du coup, quand l'autre se fait crever l'œil, il gueule « Oh, personne m'a aveuglé, personne m'a aveuglé !» Se montrer malin, n'est-ce pas? Mmh.
Là. Ulysse était résolu à regagner son foyer coûte que coûte. Le voyage fut éprouvant, mais il rentra chez lui. Pour un mortel, il s'en est bien sorti. Je le reconnais. Là, je dis chapeau. Au retour d'Ulysse à Ithaque, sa maison était remplie de prétendants. Ah oui. Et tous voulaient sa femme et son trône. Et il les a tous défoncés. Alors Pénélope proposa un concours. Tirer une flèche à travers 12 haches à l'aide de l'arc de son couteau. Sauf que c'était des coqs. Et quand il est rentré, il a bandé son arc tellement fort qu'il a tué tous les prétendants sur l'île à travers les murs en mode full no scope. Mec, il a fait 16 meurtres en rentrant chez lui, direct. Pa, 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 pa. Sérieux, il a wallhack, il était fort à ce point. Ulysse, frère, il déconne zéro. Champi. Il a mis 20 ans à revenir et quand il rentrait à Ithaque avec son fils, pour retrouver son fils et sa femme, il lui a fait 5 autres gosses. Meuf, elle avait 36 ans. Bouc, bouc, bouc. Ambroisie. Ouch, bien joué. Oh, dodge! Mad skills! Ok, grosse précision de la part du jeu. C'est la chute! Ah, c'est ma chute aussi. Ha!
cherche le coffre nocturne, hein, je rappelle. Histoire d'accomplir mon objectif et de débloquer le palier suivant des objectifs. Ok, très bien. Indisponible hors sol, mais voilà. Phew! Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. On finit ça. Bonjour. D'où Jésus? Ouah, il en faut trois. Ok. Ah ouais, d'accord. Vous êtes comme ça, vous. Ah. Ok. Let's go, Tin Man. Il s'en bat les couilles. Yes. Trouver la stèle de Hercule qu'on appelle invincible. Hercule, à la force terrible. Sonne les trompettes, battent les tambours. Combien de poètes chantent la bravoure de l'invincible Hercule. Quelque chose brille là tout en haut. De l'ambroisie, c'est gratuit. La ambrosia est collectado. Enfin, collectada. Ça a pas dû être facile. Un accès de pitié pour Héraclès. Non, il méritait tout ça. Mais que le roi rajoute les pommes et le cerbère à la liste des 10 travaux initiaux, moi je dis que c'est petit. En même temps, sur les 10 qu'il devait faire de base, il y en a 2 où il a reçu de l'aide. L'un, il a reçu de l'aide du bouclier d'Apollon, et le deuxième, c'était... il a détourné la rivière pour nettoyer les écuries d'Augias. Or, la rivière, c'était une divinité, frère. Tu triches. Tu triches et c'est simplement pas acceptable, ni accepté. C'est à cause de l'hydre et de son cousin. Sérieux? Hercule a tué sa femme et c'est mort. Ça, c'est à cause d'Héra, ça.
Frère qui était salé. Le lion de Némé, l'hydre de Lerme, la biche de Sérigny, le sanglier d'Érimante, les écuries d'Augias, les oiseaux du lac Stymphale, le taureau crétois, les juments de Diomède, la ceinture d'Hippolyte, les bœufs de Gérion, les pommes d'or des Hespérides, et Cerbère. Va Cerbère délivrer Thésée des enfers. Which, let's admit, is a Chad move. Mais arrête! Le 12e et dernier travail d'Héraclès. Capturer l'horrible animal de compagnie d'Hadès, par ailleurs gardien des enfers, Cerbère. Ah oui, je m'en souviens. Ça a été quelque chose. D'autant qu'il a accompli cet exploit alors qu'il était encore mortel. Bah, je crois qu'être un demi-dieu, enfin devenir un demi-dieu, c'était un cash prize. Hein. S'il voulait éviter d'affronter tous les monstres de l'île, Phoenix devrait se rappeler le nombre des travaux d'Héraclès. Allez, une mauvaise réponse. Constable. Enfin. Alors, ça veut dire qu'en fait, toutes ces énigmes sont des fausses énigmes. Et que la seule qui vaut quelque chose, voilà, ce 12 a fait quelque chose. Mais en fait, il faut trouver le 10. Ou alors, c'est moi qui réfléchis trop et j'ai accompli l'énigme déjà, si tu veux. En mode no brain. Je pense que j'ai accompli la quête en mode no brain. Fallait juste activer la quête numéro 12 et puis des bisous et... Non mais c'est pas vrai! Allez! Bon. Merci! Enfin! Eh ben putain! Casse les couilles, Athéna! Allez! Petit front flip! Ça c'est pour rester frais, ça! Le Cerbère, eh ben on va lui niquer sa race! Il a intérêt à avoir le slip bien accroché parce que son vétérinaire va avoir du boulot! Let's go! Vamos a exprimir! Que bien exprimes! Bien joué ça! Voilà, trois attaques donc. Bon.
Très bien. Héraclès avait de nombreux défauts humains. Il était irascible, il trompait sa femme, il était orgueilleux et vantard. Oh ben non, il avait des qualités aussi. Pour un mortel, tu veux dire? Oui, pour un mortel. Ah oui, il faut ramener le caillou de là-bas et tout. Ouais, ok. Ouais. Grosse quête. Hop! Ils avaient leurs défauts, mais ils étaient sûrs d'eux. D'une certaine manière, c'est à leurs défauts qu'ils devaient leur grandeur. Oui, oui, sûrement. C'est très sage ce que tu dis. Il y a quelque chose du côté de ce temple ? Non ! N'approche pas de ce temple ! Rester à l'écart, c'est aussi une leçon sur la sagesse et le destin. Tout quoi. Laisse-moi m'occuper de la sagesse. Retrouve-moi au sanctuaire de Moria quand tu seras prêt. Le bâton du temps est à ta portée. Bizarre, non? Vous trouvez vous aussi que c'était bizarre, non? Une clé de temple. Et le symbole d'Athéna. Ce doit être ce qu'elle cherchait. Oh, j'ai compris! C'est mon énigme de héros! Elle m'a donné l'indice et a laissé ça ici pour que je le trouve. Et que je découvre mon chemin. Comme les héros. Bon, vous, pas bouger. Cute. Et donc oui. On est à ça de libérer Athéna, mais prochaine fois. D'abord, on va go muscu. Si tu veux acheter, j'ai des choses à vendre. Yeah. Go muscu. Ouh. Poder.
ensuite 26 jetons. Eh ben putain. Non. Combo final à l'épée, yes. Quoique, ouais, yes, depuis le temps. Allez. Poder! Ensuite. Voilà. Poder. Très bien. Attention à ce qu'il va boire comme un tchad. Tchad, move, let's go. Glup. Big slurp. Parfait. La forge, mon gars. Où j'ai plein de cristaux de poder. Allons-y. On peut améliorer la défense à max. On peut améliorer les casques un peu, c'est bien. Mais d'abord, on peut mettre la max de la hache. On devrait quand même avoir assez. Non, 420. Il nous manque juste rien du tout. Je suis deg. Mais ça a coûté cher. Les gifles maximales. C'est bien, c'est comme ça que ça devrait être. Plus de flèches, on s'en fout. De quoi améliorer les casques. Hey, ok. Parfait. Potion, je veux tout de tout. Voilà, full buff. Parfait. Bon,
Je crois qu'on va pouvoir s'appuyer sur Athéna. Quel soulagement! Je ne me souviens jamais de nos transformations. Aux dernières nouvelles, je crois que je lui proposais de profiter de mon ombre. Elle attrape facilement des coups de soleil. Personne n'a besoin que tu lui fasses de l'ombre, Aphrodite. Oh, ça va. Pour faire de l'ombre, je dirais que la coiffure de Phénix, ça va pas du tout. Quoi? J'ai dit que si je faisais de l'ombre, on parlerait des cheveux d'Hermès. Et puis, des sandales. Qu'est-ce que fabrique Hermès ici toute la journée? Très bien, ça s'est rempli. Impeccable. Poser des monstres uniques. Bouclage. Ouvrir des coffres, garder aux clés. Vaincre des lieutenants. Vaincre des ennemis. Ok. Bon, avec ça, je viens de gagner masse. J'ai 5 pièces de Charon. Ça permettrait d'acquérir un coup pété normal là. Parfait. Poney ! Très bien. Si je retourne à la forge rapido, est-ce que j'ai de quoi améliorer ça? Non, c'est trop cher. Mais j'ai assez de rouge, ça par contre c'est cool. Un coup les arcs peut-être? Ça ferait du bien. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on forge un arc, mais bon. Good enough. Très bien. J'ai 4 ambroisies. Qu'est-ce que tu as en tête? 90 pièces d'électrum, je peux acheter 6 pièces de Charon. Sauf que Osef. J'ai pas assez d'énergie. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-moi. Mais on est plutôt bien là. Quand c'est un niveau combo, ça c'est fou. Foudre, ça c'est pour les foudres. Un ennemi, un ingrédient supplémentaire. Un ennemi unique. Fragment de santé lors de l'étourdissement d'un ennemi, c'est pas mal ça. 11% 13% de niveau d'énergie par niveau de combo, c'est pas mal ça aussi. 8% en cas d'atteint, donc ça te fout le régène. 26% à vitesse de l'arc. 325% de la défense lorsque sa santé est complète, lol. 24% de probabilité d'énergie gagnée triplée par coup porté, non. 6% d'un fragment de santé en cas d'atteinte. 2 fragments de santé. 20% en cas d'atteinte dans les airs, ouais, non, et 2 fragments d'énergie. Hein. Ça reste la meilleure armure. Hein. L'énergie, c'est juste trop pété. 36% de dégâts lorsque la santé est complète. Pouah! Ça paye, hein. Critère clair aux ennemis uniques dans les airs avec des combos finaux, 12 à l'épée, 12 à la hache, 4 triplés en cas d'atteinte par niveau de combo. Du coup, l'énergie est complète. 6 secondes pour coup fatal. Allez, Athènes,
Ça, c'est bien pour assassiner, ça. Dégâts pendant 6 secondes lors de l'exposition de l'ennemi. D'accord. Toutes ces armures pètent le style. C'est divin. Eh bien écoute, c'est le style comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Un fragment de santé en cas d'attaque avec l'atteinte de phosphore. Oh, c'est fait, c'est fumé. Ça met la max. Ok, bon, il est grand temps d'arrêter. Comment ça, j'ai une nouvelle monture? Oui, j'ai un cheval. Comment ça, j'ai de nouveaux objets? Oui, j'ai plein de nouveaux objets, je sais pas à quoi ils servent, on s'en bat les couilles. Ok. Voilà. C'était le fun, oui, tout à fait. Et demain, je m'accorderai encore plus de fun. Yay! Voilà, pas de soucis. Demain, je commencerai les lives en début d'après-midi. Comme ça, au moins. Et toute la journée. Ma femme n'est pas à la maison, donc je me permets des exactions absolument intolérables, braves gens. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. À qui on peut envoyer un raid? Qui peut recevoir des gens qui vont immédiatement se coucher derrière et dont tout le monde se bat les couilles? Ah bah y'a karaté! Mais oui!
Mais les vrais frères! Voilà, restez pour karaté. Je vous jure, vous le regretterez pas. Accordez-vous au moins 5 minutes. Je vous jure, vous le regretterez pas. C'est karaté. Voilà. À tout de suite. Oh, il est beau ton kill en plus. J'ai rien compris. Mais il est arrivé d'où là? D'où je suis mort? J'ai rien capté.